ras le viol, non, c'est non. Des slogans emplis d'émotion et de colère. Hier soir à Bassussari, une centaine de personnes étaient rassemblées sur la place du village pour dénoncer l'agression sexuelle présumée survenue lors des fêtes dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu énormément de violences et il y a eu une agression sexuelle. Donc la police était présente, le SAMU était présent, les pompiers également. Donc voilà, la fête a été stoppée plus tôt que prévu. Ce qui s'est produit est grave, donc il nous semble important d'en parler. Alors que la journée s'était bien passée, la fête aurait basculé tard dans la nuit avec l'arrivée de plusieurs jeunes venus de Bayonne. Selon le maire de la commune, la plupart étaient adolescents. Je déplore quand même le lâcher-prise des parents qui se voilent à la face et qui autorisent des gamins de 15, 16, 17 ans à venir à des heures très tardives la nuit, aux fêtes de Bassussari. Et je viens d'apprendre que même il y avait des gamines de 13 ans. La victime et ses agresseurs présumés seraient mineurs. Le parquet de Bayonne confirme qu'une plainte a été déposée. À Bassussari, la nouvelle a suscité un électrochoc parmi les habitants. Nous avons été informés de cette horreur qui est un viol. Et c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. On ne pourra jamais, jamais, jamais accepter, quels que soient les arguments qu'on puisse avancer. C'est impensable, c'est inadmissible et il y en a assez quoi, de ça. Hier, deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête est ouverte.